sous l'emprise excessive de l'alcool, on n'a plus sa coordination neurologique, on n'a plus son équilibre, on ne tient pas debout. Donc éliminons ces risques majeurs. Qui n'est pas dans un état normal au volant, qu'il soit sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, ce n'est pas une solution. Un ensemble de gens qui font courir des risques vraiment très très importants, non seulement à eux-mêmes, mais également à leurs passagers et également aux gens qui le croisent. Vas-y, prends la putain, ouais. T'as un ouf. Vas-y, donne. Attends, vas-y. Là, putain, oh, attention, la bouteille. Vas-y, tiens. Tu la casses. Le premier, c'est la perte de la vigilance, la perte de l'attention, la perte même de la perception du monde dans lequel on est. Eh les gars, faut pas qu'on déconne. La bouteille. Quoi? Eh, on déconne pas là. Pourquoi? Vas-y, on va. J'ai roulé un pet en boîte là, on va fumer un pet avant de prendre la route. Le deuxième effet, c'est une sorte d'euphorie. On a le sentiment que les choses sont belles et bonnes et qu'il ne se passera rien de mal. Vas-y, on prend la route, on déconne pas les gars. Si vous ajoutez cette perte de vigilance, cette espèce d'euphorie et de sensation que rien de mal ne peut arriver, et cette agressivité liée aux drogues douces et à l'alcool, vous avez un mélange détonnant qui aboutit aux conséquences dramatiques que nous regrettons. C'est à la fois de la drogue, de l'alcool et puis la fatigue. Et donc ces trois choses ensemble, évidemment, font que les fins de semaine sont souvent très meurtrières. Des gens que vous croisez ont plus de 0,5 g et 2% ont plus de 0,8 g, donc dans cette situation de délit. C'est absolument énorme. Il y a beaucoup également qui conduisent sans permis de conduire. Alors, ou bien parce qu'ils ne l'ont pas obtenu, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de permis de conduire parce qu'ils ont fait beaucoup d'infractions, ils ont perdu leur point et qui roulent encore sans permis. Et donc, ça, effectivement, c'est. Des actes qu'il faut réprimer de manière sévère. Eh, la bouteille, je l'ai pas vu passer là. Les gars, c'est un problème qui nous interpelle tous et qui doit conduire la plupart de ceux qui ont des responsabilités à les prendre. Sésame, oh ! Derrière, il y a un risque encore plus important, c'est que s'il y a un accident qui engage la vie d'un tiers, d'une tierce personne, évidemment, n'ayant pas de permis, le jeune ne peut pas être assuré, il ne peut pas avoir droit à une assurance, et donc il va payer toute sa vie. S'il est en cause dans un accident qui a des conséquences corporelles. Putain, nickel. 6h du mat, oh, il fait jour déjà. 6h du mat, le fait de disposer effectivement de réservistes qui sont des civils dans leur métier de tous les jours, et pour nous, est une ouverture formidable sur la société civile pour délivrer le message sécurité routière. Ils sont là pour renforcer la gendarmerie, lui donner un peu plus de moyens pour assumer l'ensemble de ses missions. Donc c'est toutes les missions de la gendarmerie, bien évidemment. Et dans l'ensemble de ces missions, nous avons aussi des missions de sécurité routière, que ce soit des contrôles de vitesse, des contrôles d'alcoolémie, de la prévention. Je dis souvent prévention, éducation, répression. Donc prévention, c'est les aménagements urbains en liaison avec le Conseil général, la DDE, les services municipaux. Éducation, c'est des actions que l'on fait avec la gendarmerie, la police municipale, nationale, dans le milieu scolaire et dans les collèges.
avec les opérations de conduite, de prévention routière, de circuit dans les cours d'école, dans les collèges, les deux collèges en particulier, collèges publics. Et puis la répression, c'est l'utilisation des moyens de répression à notre disposition. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous me présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Bonjour, qu'est-ce que j'ai fait? Rien, c'est juste un petit contrôle, monsieur. Ah bien. Permis de conduire, carte grise, certificat d'assurance? Ah bien sûr. Merci. Et vous consommez d'alcool, monsieur? Un peu, comme d'habitude. C'est-à-dire? Bon, quelques verres entre amis. Quelques verres? Oh, vous êtes un véritable chameau, vous avez soif. Bah, on fêtait l'anniversaire d'un ami, c'est pour ça, hein. Ouais. Bah, y'a rien de mal. On passe beaucoup ça sur la prévention routière en faisant des contrôles, contrôle vitesse, contrôle alcoolémie, contrôle routier, qui ne sont pas dans un but répréhensif, a priori, mais dans un but beaucoup plus préventif, hein. Donc, aux sorties des discothèques. Vous avez consommé quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez bu? Bah, quelques bières et un whisky. Quelques bières et un whisky? Ouais. On peut contrôler un petit contrôle d'alcoolémie, ça vous dérange pas? Je sais pas si c'est nécessaire, si. Bon, si, ça l'est quand même, monsieur. Vous avez consommé, vous me l'avouez vous-même que vous avez consommé? Ah, c'est pas énorme. Ouais, mais je suis pas alcoolique quand même. Si c'est pas énorme, vous pourrez repartir, vous inquiétez pas. Hein. Je pense qu'il faut un mélange des deux. C'est toujours intéressant de faire beaucoup d'anticipation, beaucoup de prévention, beaucoup d'explications. Simplement, à un moment ou à un autre, pour certaines personnes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, hein, c'est pas une question d'âge. Quand les choses ont été expliquées plusieurs fois, à un moment ou à un autre, il faut bien sûr sanctionner. Ah bah si vous voulez, hein. Ouais, ouais, je veux bien, ouais. Je veux bien. Allez-y, soufflez. Soufflez à fond dans la poche. Ah, par là? Non, monsieur. Oula, vous avez consommé un petit peu plus que qu'une ou deux bières, vous. Allez, soufflez. Gonflez le ballon. Tenez. Oula. Oula, monsieur. Vous n'avez plus de force dans la main? Bah non, je me sens bien, pourtant. Vous vous sentez bien? Il y a la prévention et la répression. Bien entendu, les deux volets sont aussi importants l'un que l'autre. Ah bah je comprends pourquoi vous vous sentez bien, monsieur. C'est positif. Ah bon? Ah bah ouais. Je me sens apte de conduire, ouais. Moi. Bah c'est pareil, vous allez venir avec nous? Ah hein? Pourquoi? Bah on va vous dire ça là-bas. Vous allez pouvoir revenir tout de suite. Vous inquiétez pas, vous reviendrez. Vous allez récupérer votre véhicule. Un peu plus tard, vous inquiétez pas. Ouais, d'accord. Allez, venez avec mon collègue. Il faut tout, il faut prévenir, il faut éduquer beaucoup, informer, expliquer, et il faut aussi sanctionner. Vous vous rendez compte là monsieur, vous étiez alcoolisé? Oh, on a bu quelques verres avec des copains. Quelques verres, ouais. Ah, y a pas de mal? Non, y a pas de mal monsieur, mais bon quand même, vous avez quel âge? 20 ans, 22 ans? Ouais. 20 ans? Ouais, 20 ans. Vous vous rendez compte, à 20 ans, vous avez déjà consommé combien de verres là? Bah, quelques bières, un whisky avec des amis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est pas tous les week-ends? Non, c'était l'anniversaire d'un ami, c'est exceptionnel. Ouais. C'est de la prévention et malheureusement de la répression quand il le faut, mais à juste titre. C'est exceptionnel. Ouais. Certes, il faut s'amuser, mais il y a quand même des limites, quoi. Il faut rester dans les règles. On est simplement là en discussion et bon nombre de jeunes découvrent cet autre rôle de la gendarmerie. On est là aussi pour les accompagner dans leur vie. On est là aussi, quand ils sont en difficulté, ils nous appellent. Et il y a un rapport de confiance qui est noué à ce moment-là. On n'est pas seulement là pour faire souffler dans le ballon ou dresser des procès-verbaux. Ça vous paraît pas concret, ce que je vous raconte, là, ou ça vous passe par-dessus? Si, quand même, j'ai entendu parler de ces choses-là, mais bon, on pense toujours que ça arrivera qu'aux autres. Ouais, bah oui. J'espère que non. Hein, j'espère que ça vous arrivera jamais. J'espère que ça n'arrivera jamais à vos proches. J'espère aussi. Mais c'est dur, mettez-vous à la place de ceux qui ont perdu des proches, c'est assez dur. Vous savez, moi aussi je suis en discothèque, je suis en boîte comme vous, je me balade, je bosse dans le civil, je fais ça à la gendarmerie, en réserve, je suis réserviste, je m'amuse autant que vous, je m'éclate et, dans le civil et puis j'essaie d'être sérieux par moment. Nous devons malheureusement déplorer le décès d'un de nos camarades, le premier réserviste en service commandé, dans des circonstances complètement scandaleuses et inacceptables, face à la folie meurtrière de jeunes inconscients qui étaient tout à la fois drogués, alcoolisés, qui roulaient sans permis, sur une bande d'arrêt d'urgence et qui ne respectaient absolument pas le code de la route.
s'imaginent juste le jour où ils sont au volant, justement, dans cet état-là, qu'ils fassent juste un rêve de 30 secondes, qu'ils s'imaginent dans un mur ou sur un rail de sécurité, voiture renversée, en train de perdre son meilleur ami à côté, sa sœur, un parent très proche, et qu'ils se projettent dans l'avenir à voir comment ils arriveront à gérer la situation. Parce qu'au volant, on n'est jamais seul. Même seul dans le véhicule, on n'est pas seul sur la route. La voiture, c'est quelque chose de dangereux dès lors que on l'utilise sans respecter les règles. Donc si les règles existent, il faut les respecter car elles sont là avant tout pour permettre de pouvoir circuler en toute sécurité. Donc lever le pied, pas trop d'alcool, respecter les limites, voilà. Et comme ça, on est sûr d'aller loin, dans la vie aussi.